sache que le meilleur moment de la journée pour les autres c'est chanter. Le meilleur moment de la journée pour les autres c'est chanter. Des jours comme ça, tu ne sais pas pourquoi, mais tout va bien. Il y a des jours comme ça, tu ne sais pas pourquoi, mais tout va bien. Je m'appelle Bilatépil Honoré, donc je suis de Dapan. Je fais la promotion de la musique dans la région des savanes. Et je vois que dans la savane, il y a vraiment le manque du live. Et pour cela, il faut vraiment qu'on essaye de voir comment ce qu'il faut et organiser pour que le live prône bien dans la région des savanes, pour déstresser les gens qui sont vraiment stressés. Il n'y a même pas de coin dans la région où les gens peuvent aller s'enjailler. Je suis né dans une maison de musiciens. Voilà, donc... En commençant par mon papa, qui était un compositeur, il a composé beaucoup de chansons qu'on chante dans l'église catholique. Voilà, donc j'ai hérité de lui en ce qui concerne des compositions de chansons. Et voilà, au fur et à mesure qu'on grandissait, j'ai croisé aussi une famille qui était passionnée de la musique, la famille Lenny, avec le grand frère Agosu et son petit frère Tampo. Et on s'est mis ensemble pour apprendre maintenant les instruments modernes. Je pense que si je vais évoluer par rapport à ça, donc ça va faire 30 ans. Vraiment, c'est un truc passionné. Et puis, ça déstresse, ça adoucit les mœurs. Maintenant, pour la région, je vois qu'on a, il n'y a pas trop d'activités culturelles comme ça qui doivent amener les gens à trop aimer la musique. Donc, cela veut dire que c'est ça qui reste encore, c'est un défi à remonter. Les qui viennent, je pense que ça commence pas à prendre de l'ampleur. Au début, il n'y avait pas un grand nombre. Donc cette année, les parents sont venus avec les enfants. On a eu au moins 58 enfants au centre Saint-Quisito là, qu'on a formé. Et on a réservé un bon spectacle où on avait laissé les gens rentrer, ils ont vu. Et maintenant, l'année prochaine, je pense qu'il y aura encore vraiment plus des instruments et plus de formateurs pour vraiment donner du dynamisme à la formation musicale. Bon, pour dire en tant qu'artiste, chaque musicien normal devait apprendre un instrument. Donc cela veut dire que pour vraiment évoluer en musique, il faut apprendre un instrument. Et en deuxième position, il faut vraiment que les artistes composent des chansons qui parlent, des chansons de changement, pas de chansons d'insultes, de trucs, non. Mais qu'on compose des chansons qui instruisent et des chansons qui vont apporter quelque chose, un plus dans la société. Voilà. Parce qu'il faut d'abord, pour pouvoir. C'est vrai qu'on parle, on parle en moba. C'est plus facile de parler. Mais il faut aussi étudier. Quand on dit étudier, parce que c'est difficile. Quand on dit que la langue, c'est difficile de chanter en moba, c'est parce qu'on ne connaît pas. On ne sait pas écrire. On sait seulement parler. On ne sait pas lire. On ne sait pas écrire. Donc il faut d'abord apprendre à lire et apprendre à écrire. Comme ça, ça va te permettre de mémoriser. Et c'est pour ça que les gens trouvent que c'est difficile, la langue moba. C'est la journée mondiale du VIH-SIDA. Donc, cette année, Rockfingers veut marquer cette fête de 1er décembre. On pense organiser un concert live qui sera gratuit. Bar Lys des Savanes, où l'entrée doit être gratuite. Ce que j'ai à dire à la population de Dapan, on ne sait pas se faire plaisir. Donc que les gens, pour cette fois-ci, se lèvent pour quitter, laisser quand même la famille là, ou sortir avec la famille pour venir découvrir le coin et se faire plaisir, même sortir avec les enfants. Une fois en passant, ça fait du bien pour la famille. Voilà, donc on décide de sortir avec toute la famille, venir au coin. Et puis voilà, s'enjailler en live. Les artistes sont là si vous voulez, même si des gens savent chanter, ils peuvent chanter avec nous. Voilà, donc ce n'est pas comme ça pour regarder si quelqu'un sait qu'il peut chanter, il peut venir chanter avec nous. Voilà. La musique, ça évolue. Et au fur et à mesure que la musique évolue, donc il faut aussi tout apprendre. Donc aujourd'hui, au moins, on a plusieurs genres de musique
il y a pour les sages, il y a pour les enfants, les jeunes, et il y a pour les enfants, et puis il y a pour les adultes. Voilà, donc cela veut dire que on réserve beaucoup de surprises qui vont découvrir le jour là.